Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo sur les bras, encore un entraînement à base de superset. La dernière vidéo c'était superset sur avec les jambes, quadriceps ischio. Là c'est un entraînement que j'avais trouvé, pas mal de gens avaient partagé. J'aime bien stocker pas mal d'entraînements que je trouve à droite à gauche, et justement je vais vous faire pas mal de vidéos sur les entraînements que je trouve efficaces. Après, si il y a des changements par rapport à la feuille, parce que je vais vous partager justement le petit dessin que j'ai trouvé avec les différents exercices. J'ai juste changé le dernier exercice qui était les dips. En l'occurrence, les dips en restant droit, pas en étant penché, car ça travaille pas le même groupe musculaire. Et je l'ai remplacé par un exercice de triceps. Donc sur la vidéo, faites attention aussi au niveau des prises. Il peut y avoir des prises en pronation et en supination. Après, il y avait aussi un exercice que j'avais jamais fait, c'était prise marteau pupitre, les deux bras en même temps, et il est vachement dur, donc faites attention au poids que vous allez prendre, parce que c'est pas évident, vous allez pouvoir le voir sur mes dernières répétitions. En plus c'était mon dernier exo et j'étais bien fatigué. En plus c'est certains mouvements que je n'effectue peut-être pas d'habitude, et juste en changeant l'ordre des exercices, déjà ça fracasse vos bras. Au niveau du temps de répétition, au niveau des répétitions et du nombre de séries, ça c'est à vous adapter selon votre on va dire, si vous êtes intermédiaire, expérimenté ou débutant, n'essayez pas de faire la même chose, ou ne faites pas trop de séries ou de répétitions. Donc visez une fourchette entre 8 et 12 et 3 séries par exercice, c'est déjà pas mal. Et au niveau du temps de repos, si vous êtes débutant, vous pouvez prendre un petit peu plus, mais là moi justement le superset c'est fait justement pour les personnes qui n'ont pas vraiment le temps de rester très longtemps à la salle. Donc c'est pour ça que j'aime bien sur certains groupes musculaires faire du superset, et après ça me permet de tester de nouveaux entraînements. Donc là, pour les bras, j'ai fait encore le superset. Les jambes, j'aime bien faire pour ces deux groupes musculaires souvent. Au niveau du temps de repos, ne prenez pas trop de temps. Forcément, plus vous allez prendre du temps de repos, plus vous allez réussir facilement les exercices. Donc le but du superset, justement, c'est de ne pas rester trop longtemps à la salle, avoir un entraînement super intensif. Donc ça, vous travaillez aussi pas mal de cardio, et au niveau de la respiration et du souffle aussi, c'est un très bon exercice. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire qui est juste en dessous. Et je vous dis à bientôt. Salut! Good things go slow, I'm no saint. I'll fall and you'll pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. With.
progress, good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose.